The CEMAT Summit, since its beginning in 2010, has always highlighted that a transformation of society has to go through three levels of transformation: changing hearts and minds of individuals, changing organizations and how they work, and changing the ideology and the systems in which organizations are embedded. And we have heard a lot this morning about individual change, about ideological change, so we focused on the highest level and the level of the individual. Guibert Delmarmol talked a bit about the change of organizations, and this is what we want to focus in this discussion here, because we gathered a group of experts on transforming organizations towards the goals of the CEMAT Summit, a more humane work world. And everyone has his own personal story of transformation, and we will share them and discuss a bit. And as usual until now, we will not take questions from the audience, but we will have all our speakers in the workshops. Alors, je continue en présentant les speakers de ce roundtable, commençant avec Alexandre Gérard, qui est le PDG de InnovOn. C'est un des pionniers français dans une nouvelle approche qui s'appelle l'entreprise libérée, qui va présenter aujourd'hui. C'est un mouvement, si j'ai bien compris, où la démocratie, les valeurs et le bonheur de l'individu mouvent au centre. Hicham Al-Habti, qui est chargé de coordonner un grand processus de transformation de la plus grande entreprise du Maroc, qui s'appelle OCP, qui va parler de ce processus de transformation. Jean-Michel Guéguinet, qui a fondé une entreprise qui est fournisseur dans l'industrie de l'automobile, si j'ai bien compris, et dont la particularité est qu'il travaille surtout avec des handicapés, et qui a développé un système de gouvernance qu'il appelle la pyramide inversée, où les décisions sont prises bottom-up. Arnaud Gangloff, le PDG du cabinet Kia & Partners, Consulting Company, qui veut se distinguer par un esprit humaniste, avec une attention particulière au bien-être des individus dans l'entreprise. Et finalement, Frederick Tsao, qui est le chairman du IMC Pan-Asia Alliance Group, qui représente aussi une nouvelle approche de management consciente et qui a créé un the East-West Cultural Development Center qui a pour but de harmoniser les relations entre les acteurs différents du monde. Donc on commence avec Alexandre Gérard, 8 minutes environ par speaker. Je vais vous donner un signal environ une minute avant la fin. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc effectivement, je co-anime un petit groupe de PME qui s'appelle InnovOn. On est un peu plus de 350. Et il y a 7 ans, un événement a changé ma vie. Ça a été la crise de 2009. En fait, la boîte a commencé il y a 22 ans. On est parti de zéro. On a eu une belle aventure entrepreneuriale. Et puis, c'est le cauchemar, la chute, les licenciements et puis la remise en question. Et puis, deux personnes vont m'aider à changer mon regard sur l'entreprise. Le premier, c'est Jean-François Zobrist, que peut-être certains d'entre vous le connaissent, l'ancien patron emblématique de cette fonderie qui s'appelle Favi, en Picardie. Et puis Isaac Goetz, le co-auteur de Liberté et compagnie. Et ces deux hommes vont me permettre de commencer la réinvention de cette organisation. Voilà, ça fait 7 ans que nous avons débuté tout ça. Et aujourd'hui, je partage mon temps un tiers à peu près pour l'entreprise, à peu près un tiers à faire des témoignages, et puis à peu près un tiers de mon temps à accompagner les organisations qui essayent de se transformer aujourd'hui. Voilà. Pour commencer, peut-être rapidement vous dire que pour moi, que ça s'appelle des organisations humanistes, entreprises libérées, people-centriques, plates à pyramide inversée, organique, opale, til, etc., c'est pas vraiment le sujet. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'est-ce qu'on essaye d'y faire. Et de mon point de vue, ce qu'on essaye de faire, c'est de conjuguer deux choses, la confiance et la liberté. Voilà. Si je vais à partager en quelques minutes quelques clés de lecture pour moi qui sont importantes pour comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre dans ce type d'organisation, eh bien, je voudrais parler de trois petites choses. La première, c'est McGregor. Je ne sais pas si tout le monde connaît McGregor, qui est professeur du comportement, professeur au MIT dans les années 50, pose une théorie, la théorie du X et du Y. Je vous encourage à regarder ça si vous êtes intéressé. Je peux essayer de résumer à la serpe en disant, mais voilà,
le système d'organisation dominant aujourd'hui est le système pyramidal, et il est construit sur une croyance qui est que les gens n'aiment pas travailler. Voilà. Et à côté de ça, eh bien, il décrit aussi d'autres organisations qui, elles, pensent que le travail est aussi naturel que le repos ou le loisir. Dans la première organisation, l'organisation pyramidale, eh bien, elle naît tout simplement sur une culture de la performance individuelle. Et vous le savez tous, quand on rentre à l'école, on commence à se faire noter, donc classer, et puis on commence à rentrer dans une logique de performance, de compétition et de performance individuelle. Eh bien, on va abandonner ce type de logique dans les organisations comme les nôtres pour essayer de mettre en œuvre la performance collective. Voilà. Et si je veux faire quelques opposés, on est dans une logique ici de pouvoir du pair, le patron. Ici, on va plutôt être dans une logique de pouvoir des pairs, P-A-I-R-S, qui n'est pas vraiment un pouvoir démocratique. Hein. On n'est pas tous à lever la main quand il faut changer la couleur du papier peint, mais on va souvent confier la décision à un groupe de personnes, soit des volontaires, soit des personnes qui ont été élues par des processus d'élection sans candidat. Voilà. On est dans une logique ici de l'avoir. On va plus être dans une logique de l'être ici. Voilà. Si je voulais résumer très rapidement ce que je vous encourage à aller visiter avec McGregor. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est finalement un effet que vous connaissez tous, qui est l'effet Pygmalion. Vous savez, cet effet par lequel vous connaissez tous cette expérimentation où en fait les chercheurs vont aux États-Unis, font passer des tests de QI à des gamins dans une école et puis prennent au hasard 20% des gamins, ils dopent les notes, organisent une fuite pour que les profs récupèrent cette information et puis ils reviennent un an après. Et qu'est-ce qu'ils découvrent un an après? Ils refont passer les mêmes tests de QI et ils se rendent compte que les 20% qu'ils ont pris de manière complètement aléatoire ont entre 5 et 25% de meilleures notes à leurs tests de QI. C'est ça l'effet Pygmalion. Finalement, c'est que les profs, ayant regardé avec les yeux de l'amour, si je peux dire, les 20% qu'ils pensaient être plus performants, plus pointus, etc., eh bien, ça leur a permis de les révéler. Voilà. Eh bien, c'est un petit peu ça que nous allons vivre dans les entreprises libérées, c'est-à-dire que d'un côté, on pourrait imaginer que dans une organisation pyramidale, on a un espèce de regard déficitaire de l'autre. On regarde chez lui ce qu'il ne sait pas faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met en place des managers qui vont expliquer aux gens ce qu'il faut faire. Alors que nous allons essayer petitement mais d'avoir un regard plutôt appréciatif, essayer de regarder ce que les gens peuvent faire de mieux, ce qui souvent concourt à les révéler. Voilà. Le dernier élément que je voudrais vous donner en termes de clé de lecture, eh bien finalement, c'est un élément qui est lié aux neurosciences. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont spécialisés dans les neurosciences, je vais essayer de pas te dire trop de bêtises, mais si je vous renvoie à Pierre-Marie Liédo, par exemple, il nous explique que dans nos organisations, quand on prend du stress, souvent un stress récurrent, eh bien, nous allons sécréter une hormone qui est la cortisol, et le cortisol limite la plasticité cérébrale. Je ne vous fais pas tout le... Son TED est très très bien détaillé. Mais finalement, donc, dans toutes les organisations conventionnelles où le patron aime mettre du stress, aime mettre un coup de pression, eh bien, ça a des effets absolument délétères puisque ça va limiter l'accès à la plasticité cérébrale de l'ensemble de nos équipiers. Alors que si au contraire, eh bien, les gens se sentent plutôt bien, vivent dans une bonne ambiance, eh bien, ça va leur permettre d'accéder tout au long de leur carrière, de leur vie dans l'entreprise, à la totalité de leur plasticité cérébrale. Voilà. Donc ça, c'était juste pour balayer quelques petits éléments mécaniques en fait, de ces organisations. Très concrètement, comment ça se passe? Eh bien, par exemple, on est on est organisé véritablement autour des équipes autonomes. On va essayer de donner, on a chez nous 46 équipes, chacune des équipes eh bien, va décider de son projet pour l'année. On a une vision commune partagée qui a été co-construite avec tous les équipiers, des valeurs aussi qui sont les règles du jeu. Et on va, chaque équipe va décider quel est le projet qu'elle veut servir pour l'année d'après, ce qui va se transformer en budget. Chaque équipe va recruter ses équipiers, va décider de ses ressources, choisir son leader par un processus d'élection sans candidat et pour une durée de 3 ans, par exemple. Et puis, il va gérer aussi les problématiques de conflits qu'il pourrait y avoir dans le collectif. Voilà. Donc, on a vraiment une régulation par le collectif qui est très, très puissante. Et aujourd'hui, ça donne plutôt des bons résultats puisque... On a beaucoup souffert en 2009. Je suis très lié à un métier qui est le BTP. En 2014 et 2015, on a eu des niveaux qui étaient très compliqués en France aussi. Et pour autant, on a continué d'embaucher. Et pour autant, on a continué de gagner des sous. Et pour autant, on a continué de se développer. Voilà. Donc, voilà. Donc je vous invite, ceux qui sont intéressés par ces sujets-là, si vous avez envie, vous venez nous voir à Nantes et on vous accueillera avec plaisir. On fait des visites assez régulièrement. Voilà. Pour arriver peut-être à la conclusion du message que je voulais vous passer, la bonne nouvelle, en fait, finalement, c'est que
la transformation de nos organisations, qui est un levier puissant de la transformation globale de nos sociétés, eh bien finalement, ce qui est super, c'est qu'elle ne dépend que de nous. Elle ne dépend que de nous en tant que patrons. Ça veut dire que si nous, et ça a été évoqué déjà plusieurs fois ce matin, si nous on fait notre propre chemin de cette transformation, et il y en a qui savent de quoi je parle, si on arrive à faire ce chemin de transformation personnel, si on arrive à regarder les autres avec un regard appréciatif et non déficitaire, eh bien finalement on va enclencher une mécanique, une dynamique absolument merveilleuse. Et des histoires, je pourrais vous en raconter beaucoup, des histoires qui éclosent dans ce genre d'organisation. Voilà. Donc ça, c'est la première conclusion que je voudrais vous dire. Très souvent, malheureusement, les dirigeants qui engagent ce type de transformation s'occupent de la transformation opérationnelle, organisationnelle de leur boîte et se plantent quasiment toujours. Hein. Et on est toujours très envie d'annoncer le grand soir quand on veut s'engager là-dedans. C'est super, on va faire une entreprise opale ou libérée, etc. Et puis finalement, vous savez tous comme moi que quand on annonce le changement, la première chose qu'on déclenche, c'est de la réticence, des freins et la réticence. Voilà. Je pense pour ma part que la transformation personnelle du dirigeant est le premier pas. Je pense par la suite que la transformation de la culture de l'entreprise est le second, c'est-à-dire réussir à augmenter le niveau de conscience de confiance de l'organisation. Et enfin, simplement enfin, la transformation organisationnelle de l'entreprise peut venir, elle se fait très facilement si on a bien réussi les deux premières. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que c'est ce mouvement, si on peut parler d'un mouvement ? Eh bien aujourd'hui, je peux vous dire qu'en France, il y a des centaines de PME qui se sont engagées dans cette transformation, et ça me réjouit tous les jours de partager, de découvrir de nouvelles organisations qui s'y engagent. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de grands groupes qui ont fait ce chemin. Alors on peut citer quelques-uns des grands groupes qu'on connaît bien avec Gilles, qui ont fait ce chemin depuis un petit moment, les Kiabi, les Decathlon, les Noroto qui cheminent beaucoup et qui font des choses absolument incroyables, mais vous savez peut-être aussi que des gens ont fait des choses chez Airbus, vous savez peut-être qu'un tiers des usines Michelin aujourd'hui ont fait ce chemin de transformation, hein. Mais mieux que ça, dans à peu près tous les grands groupes du CAC 40, vous avez des hackers, des gens qui un jour ont dit « stop, il y en a ras-le-bol, on veut s'affranchir de tous ces systèmes qui sont complètement obsolètes. Et à partir de maintenant, on va essayer, dans notre petite BU, dans notre département, dans notre pays, on va essayer d'expérimenter tout ça. Des gens qui ont des boîtes de 500 personnes, de 1000 personnes, de 15 000 personnes, c'est absolument magique. Même aujourd'hui, les caisses de la Sécurité sociale française, 5, même une ville a engagé sa transformation. Mon pari, dans moins de 5 ans, le monde de l'entreprise basculera massivement vers des organisations de confiance. Bravo. En fait, vous avez utilisé pas mal de termes que je vais reprendre. Donc, c'est comme quoi, en fait, il y a un lien, mais avec un autre regard. Donc, je me présente, je suis Chamel Abti, je suis en chargé de mission auprès de la direction générale du premier groupe marocain qui s'appelle OCP. Donc, si je vous dis une entreprise minière, chimique, dans un pays en voie de développement, en Afrique, mais en fait, je pense que dans l'imaginaire de n'importe qui, c'est une boîte un peu archaïque, avec une structure pyramidale. Sachez que c'était en fait un office étatique jusqu'en 2008, où ça s'est transformé en société anonyme, mais avec comme seul actionnaire l'État. En 2006, l'office était dans une position qui était très délicate, avec un chiffre d'affaires aux alentours de 2 milliards de dollars et avec un résultat net qui était négatif. 10 ans après, ce chiffre d'affaires est passé à 5 milliards de dollars avec une marge d'EBITDA à peu près entre 30 et 35%. Sans aucun licenciement et sans aucune injection de capital de la part de l'actionnaire. Donc on peut se dire, comment ? Est-ce que c'est de la magie ? Non. En fait, c'est une transformation par le management. C'est une transformation managériale. À la tête de cette boîte-là, il a été nommé en 2006 un monsieur Mustafa Tarab, qui est un professeur, en fait, professeur PhD MIT, qui donne des cours sur les systèmes complexes, les systèmes dynamiques. Et quand il est revenu à la tête d'une boîte industrielle, en fait, il a essayé de remettre cette réflexion sur les systèmes complexes et non pas sur les systèmes linéaires. Il y a pas mal de concepts qui ont été développés depuis ce matin par rapport à ça. Et c'est ça qui a permis, en fait, une boîte, juste par le management, de passer d'une position
qui était un peu très délicate, vers le leader mondial dans le domaine des engrais phosphatés. On aurait pu se dire, on s'arrête là, on était très bien, mais en fait, il y a toujours une... On veut travailler sur l'avenir. Et on s'est dit, si on reste comme ça, à un moment, on ne sait pas quand, ben cette courbe de transformation va commencer à connaître un certain déclin. Et la responsabilité du manager, la responsabilité du patron, en fait, c'est de léguer une entreprise avec d'autres caractéristiques qui lui permettent d'appréhender le futur. Donc l'année dernière, le collectif de la direction générale s'est dit, c'est partager un contexte, on est good, on est très bien, mais il y a un avenir de plus en plus volatile, incertain, complexe, ambigu. On opère dans un domaine qui est fertilisant, on peut être attaqué par des intrants, hein, des semenciers ou des choses comme ça. Et surtout, en fait, il y a un élément qui a complètement changé, c'est qu'en 2006, la médiane des âges au sein de l'OCP était de 45 ans, 10 ans après, elle était de 35 ans. Donc on a perdu 10 ans sur 10 ans. On s'est dit, dans ce contexte-là, on ne peut pas se permettre de travailler avec les mêmes méthodes au sein de l'entreprise. Et ce n'est pas ce système-là qui va nous permettre d'appréhender le futur et de passer from good to great. Donc il y a un cadre conceptuel. Il y a tout un travail pendant un trimestre, le premier trimestre 2016, au sein du collectif de la direction générale, pour arrêter quelques repères. Et dans ces repères-là, il y a un premier élément, c'est cette deuxième courbe. Quand on est dans une courbe de développement, il faut toujours garder en tête de puiser de l'énergie de cette première courbe et l'injecter pour lancer une deuxième courbe de développement. Et ça va passer par une période où on va perdre, mais ce n'est pas grave, mais c'est celle-là qui va permettre d'appréhender et de lancer une nouvelle courbe stratégique. Le deuxième repère, c'est la théorie de McGregor. Mais en fait, on n'a pas fait X ou Y. On s'est dit, mais nous, on va être et X et Y. Voilà, donc c'est là, c'est dans le « et », il faut toujours chercher une troisième voie. Et c'est, mais pas comme ça, X et Y, dit comme ça, ça a l'air un peu farfelu, mais il y avait quand même une devise. La devise, c'est pour qu'on soit légitime dans la posture X, il faut qu'on soit crédible dans la posture du Y. Donc quand on va dire à nos salariés, à nos collaborateurs, allez-y, on est vraiment crédible, et c'est, on va aller jusqu'au bout. À partir de là, si à un moment, eh ben, il y a besoin de revenir vers une posture pyramidale, ben, dans ce cas-là, on est légitime et ils ne vont pas nous en tenir compte. Le troisième repère, c'est le manager ressource. C'est à quoi sert un manager et quelle est la posture qu'on demande à un manager, ben, d'une manager, en fait, tel qu'on le voit aujourd'hui, un manager qui est au service, qui est au service de ses collaborateurs. Et le quatrième repère, c'est le device process / intelligence collective. Device process, il y a Guibert, en fait, il en a parlé, il ne l'a pas cité ce matin, mais en fait, c'est une notion que Frédéric Laloux a développée dans son livre. C'est le fait d'aller consulter toutes les parties prenantes qui peuvent être affectées par la décision qu'on allait prendre. Mais en fait, on est en train d'essayer de la contextualiser par rapport à nous. Donc, avec ce travail-là qui a duré à peu près un trimestre, on s'est lancé dans une aventure. Et comme on est une boîte, en fait, les cadres sont tous ingénieurs, on ne voulait même pas l'appeler projet de changement, projet de transformation. Donc, pourquoi? Parce que dans notre modèle mental, qui dit projet, dit chef de projet, dit deadline, dit livrable, dit comité de pilotage, et ainsi de suite. Donc, pour qu'on soit anti-projet, en fait, on l'a appelé mouvement. Donc, à chaque fois, je raconte la même anecdote. On a lancé notre mouvement 2 jours avant le mouvement En Marche, en France, nous, c'était le 4 avril. Emmanuel Macron l'a lancé le 6 avril. Donc, on s'est dit qu'il a copié sur nous, mais ce n'est pas grave. Donc, le 4 avril, ce qui s'est passé, c'est un partage de l'ambition portée par le collectif de la direction générale qui a dit, on voit le groupe OCP d'ici 10 ans, un groupe mondial, parce qu'on reste une société marocaine, mais on veut devenir un groupe mondial. On veut devenir un groupe digital et on veut devenir une entreprise d'apprenants. Une entreprise apprenante. Mais nous, direction générale, on ne sait pas comment faire. On vous invite, vous, salariés, qui avez une réalité, une perception de la réalité du terrain qui est autre que la nôtre, à instruire ces sujets. Comment ?
ben on va lever tous les repères classiques qu'on connaît. Donc, tout, n'importe qui peut définir la thématique. Vous pouvez vous auto-organiser, former des équipes, définir vos propres deadlines, définir votre propre gouvernance. Le seul repère qu'on a mis en place, c'est l'ouverture. C'est, il faut absolument vous ouvrir sur votre écosystème interne et externe. C'est la seule chose. Et on a mis en place un dispositif d'appui, de ressources, pas de pilotage, parce qu'un mouvement, ça ne se pilote pas, ça se pense, ça s'accompagne, mais ça ne se pilote pas, qui était en fait moi-même, j'étais un singleton, c'est tout. Et avec ça, on y va. C'est tout ce qui a été partagé ce jour-là. On est en septembre, donc 2017, un an et demi après, ça a donné quoi? Ça a donné plusieurs groupes autonomes qu'on a appelés situations, donc ça se joue beaucoup sur la sémantique aussi. Une situation, c'est quoi? C'est la rencontre entre une idée, un groupe de personnes et une situation ici et maintenant. Et ces gens-là, on leur a dit, vous avez le droit de proposer et surtout de faire et de venir agir et titiller le système de management actuel, dès le départ. Ça a été clairement dit aux personnes. Donc aujourd'hui, on a une soixantaine de groupes, soixantaine de situations. On a tous les sites industriels ont adopté cette façon de faire. Et le résultat, dès l'année dernière déjà, c'est un dépassement du budget, un gain de, par rapport au budget de production de 7% sur notre plus ancien site chimique qui a été construit dans les années 60. Sans aucun budget supplémentaire en termes de maintenance ou de quoi que ce soit. Mais c'est juste cette libération des initiatives au niveau des opérateurs qui a permis en fait, de dépasser ce budget-là. Ça a donné qu'un département, une business line, une direction exécutive, aujourd'hui a disparu au profit d'une situation. Voilà. Donc, c'est toute une direction exécutive qui a disparu. On a dit, c'est bon, on ne va plus travailler comme ça. On va confier un pan du fonctionnement à un groupe autonome et qui vont trouver leur propre modèle. On ne sait pas comment ils vont s'organiser. On n'a aucune idée. En fait, on a pris ce parti de dire, de faire confiance à l'intelligence, donc j'utilise le terme confiance, effectivement, à l'intelligence des acteurs qui sont là, ils savent faire, ils savent mieux faire que quelqu'un qui, au niveau du siège, au niveau des headquarters, qui va leur dire comment faire. Donc, un an et demi après, on est à peu près plus de 5000 personnes qui sont qui participent dans cette dynamique qu'on appelle mouvement. On commence à avoir déjà les premières initiatives qui vont donner lieu aux naissances à des start-up, à des filières, à des nouvelles business units. Et surtout, en fait, on agit aussi sur la culture, sur le mindset, sur la posture, sur les systèmes d'évaluation. Mais on est en train de chambouler tout ça de telle sorte à ce qu'on puisse permettre d'ancrer ce mouvement et que ce mouvement soit notre modèle opérationnel dans les prochaines années. Merci, Cham. Donc, on va continuer là. Donc, pour ma part, donc Jean-Michel Kéguiner, je vais vous parler de Bretagne Atelier. Donc, peut-être d'où ça vient, Bretagne Atelier, comment ça fonctionne un tout petit peu, mais ça, en 8 minutes, vous aurez que vraiment la quatrième page de couverture. Quoi. Donc, c'est pas grave. Bretagne Atelier est situé auprès de Rennes, Saint-Brieuc. Contient environ 800 salariés. Quand je l'ai quitté, il y avait 7 usines. Et on travaille pour PSA, enfin environ 36 000 tests par jour pour PSA, et pour Airbus et pour Alstom. Voilà un petit peu nos clients. Et nous sommes considérés par ces clients comme les meilleurs fournisseurs en termes de qualité depuis des années. Je crois que c'est depuis 1986 pour PSA, où on est dans les 5 meilleurs fournisseurs de qualité de chez PSA. Tout fournisseur confondu. Donc, c'est assez curieux comme histoire. L'histoire est assez originale. Bretagne Atelier contient dans son personnel 450-500 personnes qui sont soit handicapées, soit sortant de prison, soit des personnes qui ont des misères de vie, alcoolisme et sans famille, etc. Et c'est un choix. Donc, c'est pas un héritage. On l'a fait par hasard et sans vouloir le faire. C'est une erreur, en fin de compte. C'est une histoire toute bête. Je me suis retrouvé, donc, je pense que le patron d'une entreprise
c'est lui qui donne le là, c'est lui qui donne, il ne va pas lui ressembler. Quoi. Alors, je vous parlais un petit peu de moi pour mieux comprendre cela. J'étais éducateur, je travaillais auprès de délinquants, et peut-être trouvant que l'intégration des personnes délinquantes dans une sorte de prison était difficile, je me suis dit de créer des emplois pour eux, mais plus simple. J'ai cherché du boulot pour elles, je vais peut-être dû en faire pour moi, pour eux. C'est parti comme ça. Avec mon épouse, on a donc créé cette opération-là. Je sortais après avant ça d'une maladie, et au cours de cette maladie, j'ai un cancer banal, en 74-75, quand tu sors de là, avec trois enfants, tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Et tu te dis, en fait, compte, moi, je n'ai pas demandé à naître, je ne sais pas si, enfin, vous, peut-être, mais moi, je n'ai pas demandé à naître. Hein. Je suis né par hasard. Et je me suis dit, peut-être que j'ai encore envie de vivre, je me suis dit, j'ai vraiment envie de vivre. Mais si la vie, j'ai envie de vivre, quelle est cette vie que je vais vivre? Et donc, j'ai répondu à 9 questions, d'autres, j'en ai 3 tout de suite. La première, ma vision de la vie, c'est que je me suis rendu compte, mais vraiment rendu compte, mais ce n'est que moi, hein, je ne parle pas de vous. C'est que je suis une nanopoussière dans l'humanité. Quoi. Rien, mais vraiment rien. Mais rien d'important, rien du tout. Quoi. Quand je mesure mes ancêtres, j'en ai 4, 10 puissance, 90. Si j'ai invité tous mes ancêtres. Vous imaginez un petit peu, donc je ne suis pas encore important aujourd'hui, mais eux qui étaient avant moi étaient sûrement plus importants que moi. Donc déjà, ça calme le jeu, quoi. Deuxième point, je me suis posé la question quel rôle je voulais jouer dans la vie. Et quand tu es éducateur, c'est plutôt un métier assez bizarre. Tu te poses ces questions-là parce que tu n'es pas tellement intégré dans la vie économique, dans le monde patronal, dans tout ça. C'est un peu curieux, quoi. Et là, je me suis dit, tout le monde me dit, Jean-Michel, tu es un emmerdeur. Bon, d'accord, j'embête les gens, c'est vrai, parce que j'adore l'humour, j'adore voir les gens sourire, quoi. Je ne veux pas voir quelqu'un triste. Ça aussi, j'ai envie de... On fait quelque chose, quoi. Et on m'a dit, c'est ça. Et je me suis dit, mon rôle dans la vie, c'est de donner envie, d'avoir envie aux autres. C'est un petit peu ça, mon talent. Et j'ai continué là-dessus. Et je pense que peut-être qu'un bon manager, mon patron, est celui qui donne envie d'avoir envie aux autres. J'en suis convaincu, d'ailleurs, aujourd'hui. Troisième point, mon objectif dans la vie. Alors, il est ridicule, et je vous le donne, parce que tout le monde l'aime. Je le disais à la Anne Palébé, mais je fais une performance actuellement. Je suis à 300 sur 365, je vous explique pourquoi. Mon objectif, c'est de ne pas être désagréable aux autres. Tenter de ne pas être désagréable aux autres. À chaque instant, à chaque minute qui passe, c'est-à-dire tenter... Oui, je suis contre la guerre, donc contre les conflits qui commencent autour de nous. Quoi. Ce qui veut dire que l'entreprise est bâtie avec ça. Elle s'est bâtie avec ça, et aujourd'hui, enfin, mon épouse m'a encore dit, l'année dernière, je suis à 300 jours sur 365. Donc, j'ai une marge de progrès intéressante. L'entreprise s'est construite avec ça. Mes premiers compagnons, on a démarré. L'un sortait de prison, il avait fait 12 ans de prison. L'autre était handicapé. Et puis, étant handicapé, était en fauteuil. Et puis l'autre était illettré. Et donc, alcoolique. On a démarré par la saisie de données. On a travaillé. Et puis, on a commencé à mesurer. Parce qu'on n'avait pas un centime. C'est que, vraiment, j'ai pas d'argent aujourd'hui non plus. Mais j'ai du bonheur. Donc, c'est plus fort que tout. Et donc, on a démarré cette opération-là. On a mesuré tous les jours combien on gagnait, combien on perdait. Quand on gagnait, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'apéro. Figurez-vous que quand vous prenez l'apéro tous les jours parce que vous gagnez, vous ne perdez plus. Donc on a continué à gagner, à gagner, à gagner. Figurez-vous qu'on est quasiment une des seules entreprises en France, peut-être dans le monde entier, qui tous les jours connaît ses résultats à 17h. C'est fabuleux. Tellement on a soif. Mais c'est comme ça, c'est marrant. Et je vous invite, regardez, est-ce que dans une équipe de sportives, vous connaissez des équipes sportives qui font un match sans connaître le résultat? Non. Et pourquoi dans l'entreprise, celui qui travaille ne connaît pas les résultats? Oui, il fait ses heures, il a son salaire. Non, non, si on veut l'impliquer, si on veut qu'il ait du bonheur de gagner, c'est lui donner aussi des moyens de gagner, donc faire partager les résultats à chaque instant sur la connaissance, résultats, qualité, etc. Vous savez, vous commencez à voir le système? C'est parti, j'ai fermé les yeux, et on a grossi, 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 grossi. Alors, les handicapés, le travail, c'est facile comme tout. J'ai honte, mais je vous le dis quand même. Bon, au bout de quelques années, j'ai récupéré 9 sourds qui venaient de je sais pas, d'une guerre orientale, Cambodge ou Vietnam, etc. Et que faire avec des sourds? J'ai un copain qui me dit, dans mon usine, il y a des machines à pétards, personne ne veut y aller parce que c'est très de 20. Très douloureux, c'est insupportable de travailler avec une machine qui fait beaucoup de bruit. J'ai ce qu'il te faut. Je te mets mes gars.
nickel chrome. Et donc, c'est parti, on a développé. Et chaque fois, on a utilisé les personnes handicapées dans leurs compétences, dans leurs talents. Quoi. Je vous dirais que, on ne prend pas du handicap comme cela. Aujourd'hui encore, on a Marco, qui a un bac moins 10 ou moins 15, si vous voulez. On a deux ingénieurs informaticiens. Quand il y a une panne informatique, que font les informaticiens? Ils vont chercher Marco. Parce que Marco peut, quand on déroule un programme, lire le programme qui se déroule et voir qu'il manque une ligne, il manque un mot. Il dit, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il dit, ce programme, je l'ai vu. Oui, là, il manque un mot. Alors, les collègues, ouais, il manque un mot, c'est vrai. Donc, le bug est là, etc. Curieux, quand même. Curieux. Confier ça. Et c'est fabuleux, quoi. Il faut les rencontrer, les connaître pour savoir que c'est tellement beau, tellement fort, quoi. Et ces gens-là, ils fonctionnent. Alors, on a donc démarré ça, on fonctionne. Et on a mis un système, bien sûr, quand on partage tout, on n'a pas mis de hiérarchie. On n'y a pas pensé non plus, d'ailleurs. Et donc, on est parti à se développer par des groupes humains, par des villages. Des villages qui font 12 personnes. 12 personnes qui ont des règles du jeu extrêmement strictes. Un des problèmes, d'ailleurs, c'est l'intégration des personnes, parce que souvent, elles sont très difficiles à, quand elles prennent quelqu'un. Oui, il fait l'affaire, pas l'affaire, etc. Cristal veut dire quoi? Cristal veut dire convivialité. Pour nous, il n'y a pas d'entreprise possible s'il n'est pas convivial, s'il n'y a pas plaisir à venir au travail tous les matins. Il n'y a pas d'entreprise compétente durablement si elles ne sont pas rigoureuses. À savoir, les règles sont décidées et appliquées sans transiger. Une entreprise n'est pas performante durablement si chacun, là où il est, n'est pas impliqué à chaque seconde de la vie de l'entreprise. Une entreprise durable, c'est aussi celle qui, pour nous, en tous les cas, c'est ce qu'on a appris par l'automobile, par Airbus, etc., savoir simplifier, quoi. Simplifier l'information, simplifier tout pour tout le monde, quoi. C'est pas compliqué, mais simplifier. C'est l'art des bacs moins 15. Si vous avez un jour beaucoup de bacs plus 5, mettez des bacs moins 15, vous verrez qu'ils ont une logique imparable pour simplifier les choses. Non, mais je ne souris pas, parce que c'est vrai, c'est dramatique. Dramatique. Ensuite, après la simplification, il faut tous ensemble être solidaires. Si on n'est pas solidaire, ça ne marche pas. Le point suivant, il faut absolument améliorer. Là, c'est le talent de la plus 5, d'améliorer les choses. Et ensuite, longévité, parce que chacun voudrait vivre longtemps cette aventure heureuse, quoi. Chez nous, un critère important, si tu ne souris pas, c'est le mercato, tu vas à la concurrence. Si tu es malheureux au travail, arrête le travail. C'est pas compliqué, quoi. J'en resterai là. Peut-être un dernier point d'ordre plutôt philosophique pour vous montrer que peut-être la vie est importante. C'est qu'il y a deux manières d'interpréter le mot. Enfin, ça durera une minute de plus, peut-être. Oui. Ça passe. J'ai toujours pensé qu'avec les personnes en difficulté, il fallait travailler sur le comment survivre et pas sur le pourquoi vivre. Le pourquoi vivre, c'est ce que peuvent avoir les personnes qui ont des moyens. À quoi ça sert, pourquoi, etc. Quoi. Quand tu es dans la misère, c'est le comment faire, le comment. Savez-vous que les Anglais, les Grands Bretons, ont lutté contre l'invasion allemande en 1942? Comment? En faisant travailler les personnes handicapées, les retraités, pour faire de l'armement, pour lutter contre l'invasion. En fait, l'humain est fait pour mutualiser, quoi. Parce que quand l'humain se met dans le comment survivre, quoi. Mais quand l'humain se met dans le pourquoi vivre, eh bien oui, la vie est triste, d'une part. Un riche ne rigole pas en général. Et puis d'autre part, pourquoi faire? À quoi bon, quoi. J'en resterai là. Merci. Bonjour à tous, je suis Arnaud Gangloff et j'ai le plaisir de m'occuper d'un cabinet de conseil en stratégie qui s'appelle Kea Partners. Et je trouve que c'est. Merci à Jean de nous avoir sollicité pour. Voilà, vous pouvez vous dire qu'est-ce qu'un consultant en stratégie fait pour parler dans un sujet sur l'humanisme. On revendique chez Kea d'être parmi les premiers cabinets humanistes en stratégie. Sur une idée assez simple, c'est que depuis la création du cabinet, il y a maintenant 15 ans, chacun d'entre nous ayant vécu dans d'autres cabinets, donc on a une certaine expérience de ce que nos amis anglo-saxons peuvent promouvoir dans le domaine, on a beaucoup réfléchi à la méthode et à la question de la transformation. Et quand je vous parle d'humanisme, c'est finalement assez simple chez nous, c'est de placer sur un même plan la stratégie et le développement des hommes et de la culture d'entreprise. C'est de penser à un moment donné qu'un exercice et une entreprise performance à terme, c'est une entreprise qui sait allier une stratégie forte avec une culture d'entreprise et des hommes qui se développent. Voilà, tout ce qu'on développe chez Kea, toutes nos méthodologies, toute l'innovation qu'on
on essaie de promouvoir depuis toutes ces années, tourne autour de cette idée, de ce en même temps, cher à Monsieur Macron, ce en même temps et sur les deux. Alors je voudrais vous expliquer finalement pourquoi on en est arrivé là, assez rapidement, j'ai noté. Le deuxième point, c'est peut-être en complément de ce qui a pu être dit par mes camarades à droite, c'est la question qui nous occupe, c'est comment ces préoccupations dont on aura beaucoup parlé ici peuvent passer le cap des grands groupes. Et finalement, nous, notre quotidien, c'est plutôt les grandes organisations nationales ou internationales. Et quand l'énergie du dirigeant ne suffit plus, quand on peut s'appuyer uniquement sur sa portée de voix, comment on peut essayer d'insuffler ces idées un petit peu au-delà? Et quels sont, du point de vue de nos réflexions du moment et les sujets sur lesquels on travaille, les facteurs clés de succès ou les points sur lesquels il faut travailler dans les groupes en question? Alors, pour commencer sur le premier point, je dirais que on partage, sans forcément toujours se connaître, beaucoup de points de repère communs. On a parlé de McGregor, on a parlé de Jean-Françoise Aubryst et de Favy, qui a inspiré beaucoup d'entre nous. Je voudrais, au-delà de toutes ces références, je voudrais aussi insister sur Frédéric Laloux, je pense, qui, au travers de l'empowerment, a sorti des idées qui sont intéressantes, ayant un poste d'observation assez proche du mien. Et je trouve que je voudrais vous rappeler qu'un des hommes qui a beaucoup inspiré Jean-Françoise Aubry s'appelle Jean-Christian Fauvé. Et Jean-Christian Fauvé est peut-être moins connu que d'autres, mais a développé une approche qui s'appelle la sociodynamique. Et pourquoi la sociodynamique, ça nous intéresse? C'est que fondamentalement, la raison d'être des consultants de KEA, c'est la question de libérer les énergies. Et Jean-Christian Fauvé, sa grande approche, c'est de dire que l'énergie, c'est le résultat d'une tension, et qu'il faut cultiver cette tension. Cette tension, elle se nourrit de deux axes. Je suis consultant, donc je vous parlais d'axes, hein, c'est un défaut. Un premier axe qui est l'entreprise dans sa dimension égo. C'est son bien commun, c'est son destin, c'est son dessein. Et de constater qu'il faut en permanence alimenter ce destin, alimenter ce dessein, alimenter ce bien commun. Et puis le deuxième axe, c'est l'externalité. C'est ce qui nous ramène au monde extérieur, c'est ce qui nous amène aux autres, c'est ce qui nous appelle aux autres parties prenantes. C'est, dans le vocabulaire de Jean-Christian, l'écho. Voilà, c'est cette opposition permanente qu'on peut imaginer entre ce qui relève de la synergie avec un projet d'entreprise et finalement ce qui pourrait amener des antagonismes par rapport à un marché, une concurrence. Voilà. Et ben, de jouer sur ces deux aspects-là, ça crée deux axes de force, ça crée de la tension et... les ingénieurs qui sont autour de nous noteront que de l'attention, ça crée de l'énergie. Il faut savoir cultiver cette idée-là. Et on revient, je pense, sur une idée de la conclusion de Jean de ce matin, qui est finalement, ça permet de développer une approche globale qui va regarder l'ensemble des éléments. Un, en étant convaincu de ce pourquoi on est là, quelle est notre raison d'être, quelle est notre place sur le marché. Et donc, on travaille beaucoup sur nos clients, sur quelle est cette place et comment ils s'intègrent dans ce monde extérieur, dans cette adversité, dans cette altérité, comme autant d'opportunités de cultiver cette énergie. Voilà, je pense que je vous conseille de lire un peu Jean-Christian Fauvé. Jean-François Aubryst a passé beaucoup de temps, et on a eu le plaisir d'accompagner Jean-Christian jusqu'à son décès il y a 5 ans. Il a beaucoup inspiré nos travaux. Le deuxième point que je voulais revenir, finalement, c'est cette question de libérer les énergies. Ce matin, Gunther disait, je crois beaucoup aux entrepreneurs. Nous, la question qu'on a, et je vais faire le lien avec ce qui a été dit, c'est comment on développe des entrepreneurs, des intrapreneurs, dans des entreprises de 15, 20 000, 50 000, 100 000 personnes. D'accord ? Redécouvrir cette idée de l'entrepreneuriat. Et nous, notre parti fort, c'est l'autonomie. C'est de développer l'autonomie des organisations et de travailler dans des organisations qui ont plein de freins à cette autonomie. Le marché, on parlait chez IBM tout à l'heure de l'exigence du reporting trimestriel, ce qu'on dit au marché avant, ce qu'on va dire au marché après, la perception qu'on a qu'il faut tout sécuriser, tout mettre. Comment on développe dans ces organisations-là de l'autonomie? Et c'est ce qui va nous occuper avec la question qui est de savoir comment on va réussir à le faire sur des plus grands nombres. Alors, la question, elle est encore une fois, quand on a, premièrement, une conviction de patron, c'est absolument nécessaire. Ce n'est même pas la peine d'essayer si on n'y arrive pas. D'ailleurs, on se retire discrètement des clients qui ne rentrent pas et d'un patron qui ne va pas aller sous ce mouvement-là. Donc, c'est une obligation et je pense qu'on l'a bien senti dans vos propos.
Moi, la question, c'est quand on a cette intention de patron, comment on va réussir à débloquer ce qu'il faut débloquer, qu'on va réussir à créer les conditions dans ces groupes un peu significatifs. Et notre conviction, c'est qu'il faut s'occuper de deux choses et transformer en profondeur deux choses. La première chose, c'est le modèle managérial. Hichem parlait de transformation managériale. On souscrit totalement à cette idée-là. C'est comment changer fondamentalement le rôle du manager. Ça passe par une idée force, et je vais y revenir, que c'est une croyance profonde dans le management. D'accord ? Le livre de Peter Drucker qui a été traduit sur la fin du management, je pense que quand on lit le livre, c'est une hérésie. C'est une très mauvaise traduction française. D'accord ? On a une croyance profonde dans le management. Dans les grandes entreprises, ce management est utile. Mais certainement pas sur le rôle qu'on lui a conféré pendant des années. Donc c'est une transformation profonde de ce modèle managérial. Et le deuxième point qui nous paraît clé, c'est à la fois un facteur de blocage, si on ne s'en occupe pas, c'est un facteur de déploiement de cette autonomie, si on s'en occupe, c'est le rôle des fonctions centrales. Tout ce qui est dit corporate, tout ce qui est dit central. Voilà, si on ne s'occupe pas de les faire bouger quant à leur mission, on ne va pas y arriver. Et j'y reviendrai, ce qu'on a pu dire ce matin sur l'innovation frugale, à mon avis, mérite d'être travaillé en profondeur avec beaucoup de ces fonctions centrales. Alors, si je reviens sur ce modèle managérial, finalement, notre conviction, c'est que par rapport à une approche historique qui est très délégation-contrôle, c'est de passer dans une logique où un manager il va s'occuper au quotidien de plusieurs missions et de 6 en majeur. Le premier, c'est qu'il est là, du matin jusqu'au soir, pour cultiver le sens. Pourquoi son équipe est là ? D'accord ? Elle sert à quoi ? Elle est contributive de quoi ? D'accord ? Le modèle du groupe de 12, le modèle de ces îlots autonomes, étant une sacralisation de cette idée de « on sait ensemble pourquoi on est là ». Le manager est un catalyseur de ça et il doit sans cesse répéter ce sens. Le deuxième point, c'est que, et je crois que vous le disiez tout à l'heure, j'aime beaucoup cette phrase qui consiste à dire « manager, c'est travailler la responsabilité des autres, c'est travailler sur la responsabilisation ». Et il n'y a pas de responsabilisation sans compréhension par chacun de ses résultats. Donc, amener chacun à comprendre le résultat qu'il produit est aussi une exigence. Et ce n'est pas le résultat du manager, c'est le résultat des gens qui travaillent avec lui. Et c'est de cultiver cette culture de résultat, non pas au sens flicage, mais c'est important. Le troisième point qui est important, c'est la création de liens. D'accord, c'est de faire que les gens ont plaisir à travailler ensemble. Vous disiez confiance, vous disiez connivence. D'accord, c'est là encore un rôle majeur de ce manager. Le quatrième point, c'est de libérer les énergies et en partie de solliciter les initiatives. Ce qui amène forcément à avoir un autre regard sur l'erreur. D'accord, parce que quand vous vous trompez une fois et qu'on vous le dit, vous n'êtes plus dans l'initiative. Donc il faut savoir travailler ça. Et puis il faut savoir en permanence, savoir développer derrière la compétence. Le dernier point, et il ne faut pas s'y souscrire, c'est d'admettre aussi d'exercer une autorité. Nous, notre conviction, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie sans autorité. D'accord ? L'autonomie sans autorité, c'est de l'indépendance. L'indépendance, c'est foisonnant. Nous, on pense quand même qu'il y a une interdépendance et un bien commun auquel il faut souscrire, et donc cette autorité est clé. Voilà. Quelques mots rapidement sur le deuxième aspect, qui est le travail sur les fonctions centrales. Je reviens sur cette frugalité. C'est peut-être de dire que par rapport à la vision qu'elles ont de leur rôle, c'est peut-être plus de sobriété sur le champ régalien. Le champ régalien peut être peut-être recentré sur un essentiel, peut-être plus une raison d'être plus restreinte que ce que les strates, les habitudes, les transformations, les changements multiples ont amené à développer dans ces fonctions centrales. Revenir sur ce qui est le cœur de la fonction régalienne pour mieux l'exercer, pour mieux la responsabiliser. Et peut-être être plus frugal sur le plan administratif. Ce n'est pas la vocation d'une fonction centrale d'administrer. En plus, on sait qu'avec les nouvelles technologies, on peut multiplier d'autres manières beaucoup plus innovantes et beaucoup plus efficaces de traiter cette administration. Voilà, une fonction centrale, elle est là pour impulser, elle est là pour aider à développer les talents, elle est là pour transmettre ces questions de compétences et de talents. Ce sera peut-être difficile pour nos amies traductrices. Elle est là pour polliniser le reste dans l'entreprise et elle est là pour finalement fédérer l'ensemble des acteurs opérationnels qui seront amenés à travailler. Voilà, nous, notre conviction profonde, c'est que les grands groupes arrivent à développer cette autonomie. Par chance, elles y vont de plus en plus en travaillant fortement ces deux leviers. Merci à tous. I'm a fourth generation family business.
I involved business 40 years ago. So family business over generations always consider sustainability. And I enter in the period when Asia is going through a lot of change. While the business flourish, the question of sustainability and what makes sense or don't make sense is always in my mind. So before I took over the business, it was not making sense in Asia what's happening. So I examined what is modernization, which everybody in Asia talk, to study the essence of modernity. Because every system that we create is human. Humanizing is not necessary because it's an expression of the human. The question is, what type of human we are? And so over the last period of time, we work with organization. Organization locks in into people, systems, and structure. And just like every other organization in the world, you create this, and it gives you a new innovation to meet. And then it becomes a burden. You have to destroy it, and then you create a new one to find you enslaved in the new system, and then you go through the same, just like society, and just like what we're doing, what we call disruptive technology. The whole key aspect is how do you manage that process, and how do you create? So I'm not going to talk about the OD side. Certainly leadership now needs a lot more level, and therefore a lot of effort is into unleashing the energy, engaging the people, opening up the space, and creating a new style of management that's more appropriate to this era. And of course, we also know, which I call systemic drag, that we are an automatic machine. Patterns, habits, beliefs, traumas, trapped emotions. We're not in control of ourselves. So now, of course, people are talking about conscious business. We're all here talking about conscious business. That's an external focus that, hey, we have a challenge. We have a major challenge that Earth may not even exist. Human being will not exist. That alarm causes us to be conscious that, hey, we need to be addressing all this issue. But the reality of things in our mind, which 7 billion people all have their own different reality based on the background, the experience, the trauma, the framing, the pattern, the habits that we have. Now the question is, how do we unleash the creativity? Now this is not just small creativity, because my company has grown many times in my stewardship and management. And they're constantly replacing with new product of the market that we open. That was okay. Now we're talking about major creativity. That's beyond teams that work together in open space, because on that level of consciousness, they can create stepwise. Now we're going to make a leap, because this era needs a leap of faith over a cliff. To make that kind of leap, we need creativity that's beyond every human era. This era is the greatest opportunity for civilization to shift. How do I know? The evolution biologists will say, we evolve against stress and challenge. If you look at the challenge in front of you and invest all the things that we're creating that's meeting that challenge, we know this is the era that we will make major consciousness shift. Now, conscious capitalism are addressing what's outside. But about what's inside? I would like to share with you, if you look at this world with an evolutionary mindset, just like an evolution biologist is, everything bad is actually good, because it's teeing up for a long tee shot. So we are here talking, it's because everything is wrong. We would not be here talking in Zermatt if everything is right. Now we're conscious everything is wrong and want to do something, and we're crying out loud, say, creativity, creativity, please help me, I need to do and deal with this challenge. This is the opportunity. This is opportunity. Now, we're animals. And somewhere between 70 and 30,000 years ago, because human being has much more spiritual needs, more self-awareness. So unlike animals who balance the neural system of the parasympathetic system, synthetic and parasympathetic system by shaking, which human beings do,
put a bonfire and shake and dance and fall. We also have a need to connect with our creativity and make meaning of our experience. So we went into the cave and start drawing out an experience. Voila, as the French would say, we created conceptualization. We started a whole new human creativity based on conceptualization. Each concept creates and yet enslaves us yet to another new concept, the process called evolution. Now, human being has now moved to so far ahead that we actually control our own evolution. Does anybody have you read the book called Biology of Beliefs? Now, this Stanford researcher says, our genes is not determined where we will happen. Actually, it doesn't show that. He said, I've been teaching that a long time. Our genes is a resource to make us into the next evolutionary stage. And every thought affects our genes and our cells. So our belief system is very important. Why? Because how we see what we believe is our reality determines how we see, how we think, how we create. So we actually are moving in an era where we decide how we can evolve as we do more neuroscience and brain knowledge. So I want to share with you just this thought. And this thought is that if capital is created by intelligence, what is the mother of capital? Is it not consciousness? And how do we get to the consciousness to be truly creative? We have to find congruency in what we call human. And what's human? We are a mind, body, spirit being. When we find congruency inside, our natural creativity will flow. Conflict will not be there. And our external, internal consciousness will unite and allow that flow to come. And we understand the process so we're no longer disruptive, but flow and continuous. We no longer have paradox. Everything's made. I do not exist without we. When we shift in the I space, we're selfish. When we shift in the we space, we're great. And we shift between one or two all the time. So final remarks. Unfortunately, I'm the last one to speak, so time is a little restrictive. All we need is to love, and our creativity will flow. Fear not. Thank you. Thank you. On a encore 5 minutes. We have 5 minutes left. Et je propose que chacun réagisse à une question en 30 secondes. Imaginez qu'il y a des entreprises ou des managers dans la salle qui se sont inspirés par votre processus de changement. Imagine there would be managers in the room being inspired by your process of transformation. Quel est votre conseil à eux? Comment est-ce qu'on commence? Je vous encourage à vous poser 3 questions. Pourquoi je veux m'engager dans cette transformation? Est-ce que je crois à la subsidiarité et pourquoi? Est-ce que je crois à l'intelligence collective et pourquoi? Une quatrième, pardon. Est-ce que je pense que cette transformation commence par moi et pourquoi? En fait, nous, on a posé 3 questions. On a posé aux personnes 3 questions. Quel est votre rêve pour l'entreprise? Selon vous, quels sont ses atouts? Et selon vous, quels sont les freins? Et les réponses qui ont été données dépasser et de loin ce que pensait le management. Voilà. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que le management s'est dit, on pensait donner envie aux gens de travailler avec nous. Ben, en fait, nous, maintenant, c'est nous qui avons envie de travailler avec ces gens-là. Donc, il faut absolument qu'on change notre posture, notre rôle, qu'on réfléchisse autrement. Peut-être, et notre responsabilité, c'est créer un environnement où toutes ces potentialités s'expriment. Donc, mon conseil, c'est juste faites confiance à l'intelligence des acteurs, qu'ils soient Bac plus 5 ou Bac plus moins 15, ils sont tous intelligents, ils sont capables de vous surprendre. Et ils nous ont surpris sur les 18 derniers mois. Je pense qu'il faut faire, il faut essayer, il faut le faire.
Il faut être convaincu qu'on le fait avec les autres et pour les autres. Pas pour soi, ça ne marchera pas. On le fait avec pour soi, mais avec les autres. Qu'on partage des valeurs qui seront partagées par les collaborateurs et que l'on a un rêve. Je suis certain que s'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas de futur. Il faut rêver ensemble, pas rêver soi-même, mais faire partager le rêve, vraiment l'intérêt totalement. Ensuite, faire des essais. Et si on fait 10 essais, il y aura bien 8 succès, peut-être de leçons, parce que je ne crois pas à l'erreur. Je crois à la leçon, surtout, que l'on apprend lorsque on est un peu déçu. De plus en plus difficile d'être innovant. Moi, je dirais la première question qu'on posera, c'est est-ce que vous croyez profondément à la capacité des femmes et des hommes d'entreprise à la faire progresser ? Si vous répondez oui à cette question, est-ce que vous pensez faire tout ce qu'il faut pour leur donner les moyens et créer les conditions que ce soit le cas ? Et la troisième question, c'est est-ce qu'au bout du bout, finalement, on arrivera à faire des grandes choses par une somme de mouvements micro, à commencer par des essais ? Ou est-ce qu'on est sur le grand soir du management ? We stopped asking them questions because I started a new business because we realized consciousness is a way of life. So we have started a new business in helping people shift consciousness in life and a leadership center about developing the leadership style of the era. And so now we're putting through people into life journeys. And through mindfulness and wellness, they go through intensive courses of 7 days in hundreds, 100 at a time. And they have to ask all the questions about life, about work, what's their meaning? What's their purpose? Why are they there? In fact, we asked them one question, are you interested in life? They said, yes, okay, sign up. And then they come up with many, many questions and we support the journey in discovery. Merci beaucoup. Thank you very much. Et vous avez l'opportunité de discuter avec les speakers dans les workshops à venir.